wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtue. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière, étant donné qu'on ne se retrouve pas sur GTA 5. Mais en facecam dans ma chambre pour une vidéo très particulière, comme je l'ai dit. Vous l'avez vu au titre, je vais lire vos commentaires. Ils sont vraiment impressionnants, vraiment super drôles. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des perles dans ma communauté. Alors j'ai pas forcément catégorifié les commentaires méchants dans cette vidéo. J'ai pris un peu les commentaires qui me passaient sous la main, sachant que j'ai environ 6000 commentaires en spam potentiel. Et j'ai environ 6000 commentaires soumis à un examen. Alors pour vous dire, j'ai vraiment de quoi faire. Et du coup on va commencer tout de suite avec le premier commentaire de Pablo Perez. Quel est le rapport entre la miniature et la vidéo? Aucun, comme d'habitude en fait. Trois petits points. Alors écoute mon petit cher Pablo, le seul petit problème c'est que je fais des vidéos d'information. Donc étant donné que je fais des vidéos d'information, je ne peux pas attribuer de miniature à cette vidéo. Je vais pas mettre l'information sur la miniature. Par exemple, si je montre un petit code source, le petit code source fait cette taille là. Si je l'agrandis au format des miniatures, ça va faire un truc big comme ça. Et là tu critiqueras disant que c'est moche, voilà, que c'est complètement moche, qu'on voit des carrés, que c'est tout pixelisé, que ça sert à rien. Alors écoute-moi Pablo, étant donné que toi tu sais faire beaucoup de choses, dis-moi comment faire de belles miniatures. Voilà, je sens que tu es inspiré avec ta photo de profil, tu sais faire de belles photos, tu sais faire de belles photos de profil. Alors apprends-moi, je t'en supplie, à faire des miniatures, parce que je pense que je vais pas m'en sortir. Rien qu'avec cette vidéo où je lis les commentaires, je sais pas comment faire une miniature. Je pense que je vais faire une facecam où je vais mettre des commentaires partout autour de ma tête. Mais je pense qu'il va dire que ça a aucun rapport encore avec la vidéo. Donc je sais pas, écoute, si tu vois cette vidéo, envoie-moi un mail en mettant Pablo et tu m'apprends à faire des miniatures. Là j'en ai vraiment besoin, c'est super urgent. Commentaire de Nirouz avec plusieurs O. Ça commence déjà très très lourd, hein. Ferme ta gueule. Tu dis de la merde, le jeu sortira sur les next-gen et peut-être sur les old-gen, bouffon. Alors déjà le petit ferme ta gueule au début était pas trop nécessaire. Puisque tu regardes une vidéo, la vidéo est upload, je peux pas réellement fermer ma gueule. À part que tu mettes pause, que tu retires le son. Mais à ce moment là autant que tu quittes la vidéo quoi, parce que ça a aucun rapport. Tu dis de la merde, le jeu sortira sur les next-gen et peut-être les old-gen. Pour information, je parlais de GTA 6, hein, voilà, quand je disais 5 raisons, bah, des raisons probables pour que GTA 6 ne sorte pas sur PS4. Donc du coup, voilà, il répond à cette vidéo-là. Donc déjà, je dis de la merde, donc voilà, déçu. Je suis un peu déçu, là, tu m'as déçu. Le jeu sortira sur les next-gen, bon, ça, je te l'accorde. Et peut-être les old-gen, bouffon. Les old-gen, t'es sérieux, toi, t'es un mec qui est déjà dans le turfu. Tu crois vraiment, vraiment, really que GTA 6 va sortir sur old-gen quoi. Mais même le pape, même tout ce que tu veux n'y crois pas. Personne ne croit à la sortie de GTA 6 sur old-gen. Mais toi Nirouz, tu y crois. Alors écoute, si tu es croyant et que tu crois en GTA 6 sur old-gen, bah je suis de tout cœur avec toi. Continue sur ta lancée. Continue vraiment. Voilà, je suis de tout cœur avec toi. Carlito Carly. Alors lui nous a fait un commentaire en mode militaire. De 1, tu es pourri. De 1, je mets entre parenthèses. De 1, tu as fait une faute parce que c'est pas tu es ET, mais c'est tu es ES parce que c'est tu être pourri. Hein, déjà, petite leçon de français. Je suis très mal placé pour parler de français, mais ce genre de faute, hein, voilà. On peut éviter. 2, tu saoules. Alors si je te saoule, pourquoi tu viens sur ma chaîne? Je sais pas. 3, j'ai envie de te frapper. De te taper, pardon. Pourquoi? Je t'ai pas agressé, je t'ai pas insulté, je t'ai pas tapé non plus. Après, si t'as envie de me frapper, je te donne rendez-vous le 20 mai au Trocadéro. Voilà, à ce moment-là, tu pourras me frapper. Si toutes les autres personnes qui me haïssent comme Carlito, bah, vous pouvez venir au Trocadéro le 20 mai. Je me mettrai sur un poteau, je m'attacherai, vous pourrez me taper. Et pourquoi pas me tuer, voilà, on fera un truc en mode Jeanne d'Arc. Et vous allez me foutre le feu, voilà, je serai brûlé vif au Trocadéro. Mais je pense que très peu de personnes vont venir. 4, tu fais ça pour le fric. Alors si seulement vous saviez ce que je gagne avec une seule vidéo
vous en pleuriez de rire parce que c'est inadmissible. Bah, inadmissible, non, mais je gagne très très peu. J'ai posté la photo hier sur Twitter où j'avais montré les analytiques de ma vidéo sur GTA 6 parce que tout le monde parle de buzz, de YouTube money, patati patata. La vidéo m'a rapporté 2,23€. Je vous affiche le screen sur la vidéo quand même. 2,23€. Sachant que YouTube n'a pas pris sa part et que mon network n'a pas pris sa part, je vais me retrouver sûrement avec 90 centimes. Donc, grâce à vous et ma vidéo sur GTA 6. Grâce à ces 90 centimes, je vais pouvoir m'acheter une baguette de pain. Écoutez, je vous en remercie. C'est énorme, 90 centimes, une baguette de pain par jour. C'est juste énorme, voilà, ça fait beaucoup d'argent à la fin du mois. Ça fait une baguette par mois peut-être. C'est énorme. Et 5, tu es un fils de pute. 5 entre parenthèses, hein, parce que c'est pas tu es ET, mais c'est tu es ES. Hein, dans le sens où tu es être un fils de pute. Voilà, petite leçon de français, je sais pas quel âge tu as ou en quelle classe tu es. Mais bon, voilà, comme il n'y avait pas d'insulte dans son commentaire, je me suis dit que à la fin, il y allait peut-être en avoir une autre. Un nouveau commentaire de Jacqueline qui me dit que je ressemble énormément à Jeff de Tuche, MDR. Alors, son commentaire n'est certes pas très méchant, mais excusez-moi, mais ça, voilà, ça, cette tête-là ne ressemble pas du tout à ça. Ça ne ressemble pas du tout à Jeff de Tuche, je ne le ressemble pas du tout. J'ai déjà pas de moustache, j'ai pas les cheveux bouclés. Enfin, y a aucune ressemblance entre lui et moi. Je suis pas de sa famille, il est pas de ma famille, donc je sais pas. Après, peut-être que vous, vous allez trouver une ressemblance, mais en tout cas, moi, je la trouve pas. Peut-être que vous, on sait pas. Winou qui me dit un commentaire en majuscule, t'as pas honte, fils de pute. Très constructif, mais par contre, j'ai honte de quoi? J'aimerais bien savoir. Si tu vois cette vidéo, dis-moi de quoi j'ai honte. Parce que je sais pas du tout de quoi avoir honte. Et le petit fils de pute hein, en majuscule qui passe super bien à la fin. Voilà, super crème. Un commentaire de Adrien M. Je critique souvent tes vidéos parce que tu fais quelques vidéos inutiles. Donc au moins, il a le mérite de l'avouer. Voilà, il admet que je critique, qu'il critique souvent mes vidéos. Mais je sais reconnaître les bonnes vidéos. Et celle-là est très bonne. Bon travail. Écoute, merci Adrien. Ton commentaire m'a fait beaucoup de bien au petit cœur parce que quand j'ai vu la dose de commentaires où on m'insultait ou patati patata, franchement ton commentaire est sorti du lot et j'avais vraiment envie de vous le montrer dans cette vidéo. Parce que voilà, Adrien M, il a vraiment un cœur, ça se sent, il assume, il le dit cash, il a critiqué mes vidéos dans le passé, enfin peut-être qu'il le fait toujours d'ailleurs, et au moins il sait reconnaître le bon travail. Et là sur cette vidéo j'ai fait du super bon travail, merci, merci Adrien. Vraiment, merci. Commentaire de Sereno FR. Arrête les vidéos, tu sers à rien. Avec ta voix de pucelle et ta façon de parler qui change jamais. Putain, je sais pas le... je sais pas CD, donc c'est CB, hein, pour combien. Je sais pas combien de temps t'es sur YouTube et personne t'aime. Personne t'aime. Personne ne m'aime. Y'a personne qui m'aime sur YouTube. Mince alors. Mais, attends. Si tu m'aimes pas, pourquoi tu viens regarder mes vidéos? Pourquoi tu viens regarder ma chaîne? Reviens pas! Du coup, nous avons maintenant le retour de Carletto! Et il a pas arrêté, hein, parce qu'il a commenté une autre de mes vidéos quelques secondes après. Je lance un mouvement, le mec s'est cru dans la vie politique, quoi. Je lance un nouveau un mouvement socialiste, hein. Tout le monde en va manifester dans la rue, hashtag fin de virtuose demain. Il va se retrouver tout seul dans les rues de Paris. Les rageux, les envieux, mollards dans l'œil. Je sais pas d'où tu tiens tes expressions, toi, mais... Les rageux, les envieux, mollards dans l'œil. Waouh! Les envieux, mollards dans l'œil. C'est cette expression-là qui me sort des trous de nez. Je touche mes yeux, mais ça me sort des trous de nez. Hashtag fin de virtuose. Je le mettrai sur plein de chaînes. Fais-toi plaisir. Voilà, fin de virtuose si tu veux. Et non, c'est pas la fin, malheureusement. C'est pas la fin. Et en plus, c'est monsieur virtuose, hein, c'est pas virtuose. Donc ton hashtag est un peu pourri, un peu trompé. Il y a Jeff Martin qui a répondu. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas trop. Où tu veux en venir? Carlito a répondu, je veux que Virtuose arrête YouTube. T'aurais mis un petit point d'exclamation et écrit ça en majuscule, je pense que ça serait passerait trop crème. Il copie sur certains YouTubeurs, il nique les gens par derrière et fait des vidéos ridicules pour l'argent et rien d'autre. Comme je l'ai dit, une vidéo ça me rapporte 90 centimes, donc du coup une baguette de pain. Je pense que à ce niveau-là, c'est ridicule de faire des vidéos pour l'argent. Écoutez, grâce à vous, j'arrive à acheter du pain, donc s'il vous plaît, merde. Oh là là, laissez-moi acheter mon pain, ma baguette. Demain, je pourrais peut-être acheter un croissant ou un pain au chocolat. Par contre, au-delà de 1€, il faut que j'économise sur 2 jours. Hein. C'est chaud quand même. Un commentaire de NonoKiller71. Eh, vas-y, Virtuose, t'as plagié ma vidéo, tu fais chier. Non, mais sérieux, quoi. C'est quoi ce commentaire débile venant de la part d'un YouTuber en lui-même?
En plus, il l'écrit en mode wesh, vas-y Virtuos, t'as plagié ma vidéo, tu fais chier, avec un smiley super triste. Écoute, Rockstar vient tout juste de sortir une vidéo d'information, c'est logique que j'en fasse part à mes abonnés. Donc comme on est des milliers de youtubeurs à faire des vidéos de la sorte, c'est normal qu'on fasse la même vidéo, mais de là à dire que je t'ai plagié, et le petit vas-y au début de la vidéo qui est passé super crème, je te jure j'en ai pissé de rire quand j'ai lu ton commentaire, merci à toi, je suis désolé d'avoir plagié ta vidéo. Écoute, la prochaine fois que tu veux faire une vidéo, tu viens me parler en PV sur Twitter, et tu me dis, écoute Virtuo, je vais faire cette vidéo, donc si tu pouvais ne pas la faire, ça serait sympa, ça m'arrangerait, et je pense qu'on va peut-être pouvoir trouver un arrangement. Peut-être on pourra faire un pourcentage de ce que tu vas gagner sur la vidéo. Sachant que je gagne 90 centimes, peut-être qu'avec ta chaîne tu gagneras 5 centimes. On fera la moitié quoi. Ça pourra être vraiment pas mal. Et on va terminer sur un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Alors, c'est pas le commentaire en lui-même, c'est la réponse. Alors, Dark le Roi a posté un commentaire il y a une semaine. Le Jean déjà, abonnez-vous à ma chaîne. Et un de mes abonnés a répondu, Léo Gourglet, non, arrête YouTube, tu fais de la merde. Le pauvre! Déjà de 1, ça se fait pas de venir commenter sur une vidéo disant aux gens de venir s'abonner. Et en plus, Léo, il a pas de toupet, il dit non, 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 arrête. Alors déjà de 1, je vais pas m'abonner à ta chaîne. 2, j'ai été voir. Et 3, t'arrêtes YouTube, ok? Parce que c'est de la merde. Il a pas mis un point d'exclamation, ça aurait pu être pas mal avec un point d'exclamation. Mettez un peu de ponctuation dans vos commentaires. Je pense que ça peut mieux passer. Comme ça, on peut voir si c'est pour rigoler ou si c'est sérieux. Ou si tu m'engueules ou si tu m'engueules pas. Là, tout à l'heure, où il y a Winéo qui nous a mis un commentaire en majuscule, là, le mec, il m'a engueulé, quoi. Non, mais t'as pas honte, fils de pute. Il m'a engueulé, clairement. Bah écoutez, les gens, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'ai lu vos commentaires. C'était assez sympatoche, franchement, j'ai beaucoup ri. J'ai encore beaucoup de commentaires à vous faire part. J'en ai fait part déjà pas mal sur Twitter. Parce que au lieu de répondre à des commentaires de gamins comme celui-ci où il me demande d'arrêter YouTube, où je préfère prendre un screen et les publier sur Twitter afin que les gens puissent réagir aux commentaires. Et du coup c'est à mourir de rire les réactions. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment que ce petit changement vous aura fait plaisir. J'ai pris un bien fou à faire cette vidéo. Ça change un petit peu du GTA en facecam. Comme ça pour ceux qui m'avaient jamais vu, bah vous me voyez pour la première fois. Et oui, je sais très bien que j'ai des longs cheveux, mais c'est juste que je dois les laisser longs pour une raison personnel. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous présenter des commentaires. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez vraiment pas à me le stipuler dans la barre des commentaires. Enfin, mettez des commentaires assez sympatoches quoi. N'essayez vraiment pas de mettre des commentaires méchants pour passer dans l'autre vidéo, hein. Ça sert à rien. Parce que ça, je vais directement le griller. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.